mama stands on golden sands and watches the ship that goes sailing somewhere on the sea. Pour commencer, je vais vous parler de moi à l'instant présent, c'est-à-dire enfermé. J'ai 48 ans. Je pèse environ 204 kilos et ce n'est pas que de la graisse. Je suis enfermé depuis presque 8 ans maintenant, mais quand on a été condamné à plusieurs peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, le temps ne compte plus. Je n'ai aucun problème avec le fait d'être enfermé, car personne ne m'a mis ici à part moi-même. Et je mérite d'être là où je suis. Ma folie meurtrière a commencé par un désir de vengeance, et elle s'est terminée par une passion pour le goût du sang. Joseph Roy Metheny naît le 2 mars 1955 à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Seulement un mois après sa naissance, sur la côte ouest du pays, le businessman Rick Rock se lançait dans une grande mission pour franchiser les restaurants McDonald's. Une simple ironie du sort, peut-être. La vie commence assez difficilement pour le petit Joseph Metheny. Il grandit où il est né, à Baltimore, et il grandit entouré de 6 frères et sœurs. On a là donc une très grande famille. Malheureusement, il a très peu connu son père. C'était un alcoolique qui prenait très peu soin de ses enfants, qui les négligeait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est son alcoolisme qui l'a conduit à sa perte, puisqu'il est mort dans un accident de voiture quand Joe avait seulement 6 ans. À partir de cet instant, il regardera toujours les petits garçons qui ont un papa et une maman, avec un œil jaloux. L'amour paternel lui manque terriblement, même si il a une mère incroyable. Jean, la mère de Joe Metheny, était une femme incroyable. Une femme avec une force de caractère impressionnante. Et il en faut pour élever 6 enfants seuls. Hein. Elle néglige souvent ses enfants, mais pas par volonté, par nécessité, puisqu'elle confie la garde des enfants les plus petits aux plus grands afin de pouvoir travailler le plus possible. Elle enchaîne les petits boulots. Elle jongle entre des boulots de serveuse, de barmaid et même de camionneuse. Et je rappelle qu'on parle de l'Amérique des années 60, où les femmes, les mères de famille, sont destinées à passer toute leur vie à s'occuper de leurs enfants. Jean ne compte pas ses heures, elle travaille en permanence pour pouvoir offrir une vie normale à ses enfants, pour qu'ils ne manquent de rien, pour qu'ils aient toujours du pain sur la table. Et bien souvent, donc, quand elle rentre à la maison, elle se déshabille, elle prend une douche et elle s'écroule sur le canapé ou sur son lit. Elle a très peu de temps pour discuter avec ses enfants, elle a très peu de temps pour prendre soin de chacun d'eux individuellement, mais c'est une mère aimante qui fait ce qu'elle peut dans les circonstances données pour s'occuper de ses enfants correctement. Joe a plus tard déclaré que quand les temps étaient trop durs, les enfants étaient parfois placés dans des familles d'accueil. Mais ça, c'était un mensonge dont il se servait, je crois, pour alimenter sa personnalité égocentrique et narcissique. Sa mère disait de lui, il était intelligent et a eu une bonne enfance. S'il était négligé, c'était de sa propre faute. Il vivait dans un très bon foyer. En 1973, Joe a 18 ans et il décide de s'engager dans l'armée. D'après lui, il aurait été mobilisé en Allemagne, puis au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, mais sa mère nie toutes ces mobilisations, elle ne s'en souvient absolument pas. En revanche, elle se souvient bien du fait que son comportement a totalement changé après qu'il se soit engagé dans l'armée, parce qu'il a commencé à consommer de la drogue à ce moment-là. Et donc ainsi, le petit Joe, qui était très gentil, qui était très doux avec sa maman, est devenu très froid et très distant. La mère et le fils n'arrivaient plus du tout à communiquer. Nous sommes maintenant dans les années 90 et Joe a définitivement quitté l'armée. Il a un petit emploi assez stable, même s'il ne paie pas vraiment de mine. Et avec l'argent qu'il gagne, il peut se nourrir, offrir un toit à sa femme et à son fils, mais surtout alimenter sa consommation d'alcool et de drogue. Généralement, après le travail, Joe ne rentre pas chez lui, hein, hors de question. Il préfère faire la tournée des bars ou se rendre dans des coins glauques du sud de Baltimore, des coins où il sait qu'il pourra se ravitailler en alcool et en drogue. Joe consomme tellement d'alcool et de drogue que dans le milieu, il est connu sous le surnom de Tiny, qui veut dire minuscule ou petit en anglais. Un surnom donc assez humoristique quand on sait qu'à ce moment-là, il mesure 1m85 et qu'il est largement en surpoids. Malgré tout, pour ceux qui le connaissent, il est décrit comme intelligent, gentil, bien élevé, tout le monde dit qu'il s'exprime très bien, c'est un homme sur qui on peut compter, Joe. Quand on a un problème, on peut l'appeler, il fera toujours son possible pour nous aider.
Néanmoins, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, il est totalement ravagé par la drogue et par l'alcool. Et ça dure depuis plusieurs années. Du coup, son tempérament tout doux est devenu plutôt colérique et il est très sensible à la moindre frustration. Nous sommes en juillet 1994, c'est l'été sur la côte est des États-Unis, il fait beau, il fait chaud et l'ambiance est vraiment détendue. Mais Joe n'a pas de congé ce mois-ci, à ce moment-là il travaille, il conduit des camions, il est camionneur, c'est un métier qui lui convient bien, il est sur la route avec sa musique et comme ça, puisqu'il est un peu solitaire, il peut se retrouver avec lui-même. Et justement ce soir-là de juillet 1994, Joe fait des heures supplémentaires. Le métier de camionneur peut être un petit peu éprouvant pour le corps, hein, parce que pour conduire ces gros véhicules, il faut constamment être alerte, jeter un œil à gauche et à droite, faire attention aux autres véhicules autour de nous. Donc, à la fin de son service, Joe est bien content de rentrer chez lui, il est bien fatigué. Il s'apprête à dîner, à boire une petite bière, à passer une soirée plutôt tranquille. Il s'apprête à voir sa femme, que nous appellerons Alexa, à embrasser son fils, que nous appellerons Jared, mais aucun des deux ne répond à ses appels. Il fait le tour de la maison, Alexa, Jared, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Et quand il parle, il réalise que les pièces lui renvoient beaucoup d'échos, c'est un peu bizarre. Alors il allume la lumière et il réalise que toutes les pièces de la maison sont vides. Et quand il monte à l'étage, il voit aussi que les commodes de sa femme et de son fils sont vides. Ouh, il panique, il se dit qu'il y a eu un cambriolage, qu'il a dû mal tourner, un kidnapping, il ne sait pas quoi faire. Et puis il s'installe un instant et il se dit il faut peut-être que je me rende à l'évidence, c'est certainement Alexa qui a kidnappé Jared. Et là, vous allez vous dire bravo Alexa, t'es partie, t'as quitté ce déchet humain qui n'arrête pas de se droguer, génial, parfait pour toi. Mais honnêtement, Alexa n'était pas un meilleur parent que Joe. La jeune femme se droguait énormément et donc Joe ne lui faisait absolument pas confiance. Le couple battait clairement de l'aile, donc qu'elle soit vivante ou morte, il s'en fichait un petit peu, mais par contre il tenait énormément à son fils Jared. Joe appelle d'abord sa mère, il se dit qu'Alexa a peut-être eu la présence d'esprit de le déposer chez sa mère avant de fuir. Elle lui répond et elle lui dit « Mais tu vois l'heure à laquelle tu m'appelles, mais non, j'ai aucune nouvelle d'Alexa ni de Jared, qu'est-ce qui te fait penser ça, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc il explique à sa mère toute la situation. Sa mère malheureusement ne sait pas quoi faire, elle aussi est très inquiète, mais elle n'a aucune piste. Alexa ne revient pas ce soir-là, ni le soir d'après, et à partir de cet instant, Joe devient un véritable déchet humain. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, et il est véritablement consumé par la colère, par l'inquiétude. Il sait que s'il retrouve Alexa, les choses risquent de déraper assez terriblement. Et cette descente aux enfers va durer 6 mois. Pendant 6 mois, Joe va mariner dans son jus de rage, on va dire ça comme ça, à se demander où Alexa a emmené son fils. Et pendant 6 mois, son esprit ne va pas trouver de repos. Nous sommes 6 mois plus tard. L'hiver est tombé dans le Maryland. Pendant tout ce temps, Joe n'a pas cessé de chercher son fils. Et en janvier 1995, il a enfin une piste. On lui apprend que Alexa serait allée vivre chez un homme pas très net, dont elle serait tombée amoureuse. Cet homme l'aurait d'ailleurs poussée à se prostituer avant de récupérer tous ses gains. Joe apprend aussi que son fils était maltraité par le couple, au point d'être retiré à sa mère par les services sociaux pour négligence et maltraitance. Malheureusement ou heureusement, son casier judiciaire l'empêche de récupérer la garde de son fils. Et comme la justice ne marche pas avec lui, il décide de marcher lui aussi contre la justice. Et vous allez le voir, pour rétablir l'ordre, il va utiliser des méthodes peu conventionnelles. Un soir, alors qu'il ne travaille pas, Joe s'habille tout en noir. Il met des chaussures noires, un pantalon noir, une veste noire, un bonnet parce qu'il fait très froid à Baltimore à ce moment-là. Mais il ne s'apprête pas à sortir pour faire son habituelle tournée des bars, non. Il veut retrouver Alexa et son nouveau compagnon, il veut se venger. Il a reçu une piste, il sait qu'Alexa et son nouveau compagnon se drogueraient sous un pont avec des sans-abri et il est bien déterminé à les retrouver ce jour-là. Ce lieu est un camp de sans-abri appelé Tent City. La ville des tentes. C'est un endroit très sombre, très glauque, qui sent l'urine. C'est le genre de lieu où on n'a pas envie de traîner à la tombée de la nuit. Mais Joe, c'est un costaud. Il fait 1m85, mais surtout, il est
Animé par une rage profonde, il n'a peur de rien et il tuera toutes les personnes qui se mettront sur son chemin. À son arrivée sur place, aucune trace d'Alexa ni de son nouveau compagnon. En revanche, il trouve deux SDF allongés sur des matelas sales. Ils sont clairement assommés par la drogue et cette vision le dégoûte un petit peu. Il éprouve du mépris pour ces deux hommes qui sont allongés sur ces matelas sales et donc il n'hésite pas à taper dans les matelas, à les secouer. Pour tenter de les réveiller, mais il ne parvient pas à les réveiller. Je ne vous ai pas donné ce détail tout à l'heure, mais Joe avait avec lui une hache. Donc Joe a cette hache dans la main qu'il serre de plus en plus fort, et puis finalement il la lève vers le ciel et il l'abat sur l'un des SDF. L'homme réagit à peine, il gémit un peu, mais il ne comprend pas bien ce qui se passe, et Joe continue. Il le frappe une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et puis il se jette sur l'autre SDF. Il les frappe vraiment avec une violence inouïe, mais les deux SDF sont trop engourdis pour vraiment pouvoir se défendre. Il les laisse véritablement en pièces sous ce pont. Le reste de la soirée est lui aussi véritablement tragique. Néanmoins, je tiens à vous prévenir que les événements qui suivent pourraient être des détails fantaisistes inventés par Joe. Après avoir assassiné les deux SDF, Joe prétend avoir attiré à lui deux travailleuses du sexe. Il les aurait droguées dans l'espoir de leur soutirer des informations, mais puisqu'elles ne coopéraient pas ou puisqu'elles n'avaient aucune information, il les aurait agressées sexuellement avant de les tuer et de se débarrasser de leur corps dans des buissons. Ce soir-là, il se serait également débarrassé d'un témoin gênant, un homme noir qui pêchait à proximité et qui l'aurait aperçu en train de tuer les deux travailleuses du sexe. Joe est arrêté quelques semaines plus tard comme suspect dans le meurtre des deux SDF, Randall Brewer et Randy Piker. Il passe 18 mois dans une prison de Baltimore en attente du procès, mais il est relâché faute de preuves. Et c'est parfait, c'est le moment pour lui de reprendre ses recherches afin de retrouver son fils. Mais honnêtement, il semblerait qu'à partir de ce moment-là, Joe tue davantage pour le plaisir que dans un souci de retrouver son fils, au point de commettre des actes impensables. Joe est employé en tant que conducteur de chariot élévateur dans une petite entreprise qui fabrique des palettes en bois. Et ses semaines se ressemblent toutes, la journée il travaille, le soir il va boire un coup, voire plusieurs coups, et les week-ends, de temps à autre, il invite des travailleuses du sexe chez lui dans sa petite caravane. C'est ainsi qu'il réalise que les travailleuses du sexe sont des victimes, des proies assez faciles, et qu'il commence son commerce macabre. Il y avait une petite caravane sur la propriété. Alors j'ai dit à mon patron de me laisser y vivre, pour que je puisse garder un œil sur l'endroit. Il a accepté et m'a donné les clés de la porte d'entrée et du bâtiment principal. L'entreprise se trouvait sur une route en cul-de-sac et était très isolée. C'était parfait pour ce que je voulais faire. J'ai attiré deux autres prostituées droguées dans ma caravane. Je les ai tuées et j'ai dépecé leur corps. J'ai découpé la chair et je l'ai mise dans des bols Tupperware. J'ai enterré les restes dans plusieurs tombes peu profondes, dans un petit bois derrière l'entreprise. Dans sa petite caravane, Joe réfléchit. Il a tant de restes humains dont il aimerait se débarrasser, et il a si peu d'options. Il pourrait bien sûr les enterrer, mais il risquerait d'être retrouvé. Dans son esprit germe une idée afin de lier l'utile à l'agréable. Joe ouvre un petit stand de burgers. Au menu, des sandwichs au roast beef ou au porc, bien sûr fait maison, accompagnés d'une sauce spéciale. Le stand est assez simple, mais promet une nourriture de bonne qualité, typique des États-Unis. Et c'est très surprenant, hein, mais le restaurant ambulant gagne très vite en popularité. Les employés des entreprises alentour se ruent à la caravane de Joe tous les midis afin de déguster ses délicieux burgers. Tous adorent la recette, mais ils ne savent rien de l'ingrédient secret utilisé par le cuistot. Vous l'avez deviné, de la chair humaine. Tous les soirs, dans sa caravane, Joe confectionne ses petits patties en mélangeant du bœuf ou du porc à de la chair humaine et à quelques épices, et le lendemain, il les grille au barbecue avant d'assembler les burgers. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il n'hésitait pas à en manger lui-même, même qu'il en raffolait. Le corps humain a un goût très similaire à celui du porc. Si vous les mélangez,
personne ne peut faire la différence. Joe s'amuse comme un petit fou, hein. Il arrive à tromper la police, mais aussi à tromper d'honnêtes travailleurs. Il est tout content et en plus, son business fonctionne plutôt bien. Mais après quelques semaines sans chasser, le business lucratif de Joe menace de s'effondrer. C'est impératif, il doit trouver une nouvelle victime pour alimenter son commerce. Nous sommes le 8 décembre 1996 et Joe a prévu de passer la soirée avec une certaine Rita Kemper. Disant surtout qu'il l'a attirée en lui promettant de la drogue. Hein. Et Rita lui fait confiance. Hein. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Joe était considéré comme un homme assez gentil, assez bien élevé. On peut s'imaginer donc que la jeune fille, voilà, pensait simplement passer du bon temps avec cet homme. Mais Joe a une autre idée en tête. Il aimerait se rapprocher physiquement de Rita. Il lui fait des avances, d'abord verbalement, ensuite physiquement, mais elle le repousse. Et il le prend très 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 mal. Il se met dans une colère noire. Il se met à frapper Rita. Et quand elle commence à pleurer, il insiste et il rigole, il s'amuse de la situation. Alors qu'elle est dans cette caravane avec cet homme qui est littéralement un géant comparé à elle, elle trouve un moment pour s'enfuir. Elle sort de la caravane et elle se met à courir le plus vite possible. Mais Joe est aussi assez rapide et il la rattrape bien vite avant de l'attirer à nouveau jusqu'à la caravane. Il lui déchire les vêtements, il tente de lui enlever son pantalon afin de la violer et à cet instant il lui dit « Tu vas voir, je vais t'enterrer dans les bois avec les autres filles ». Des paroles qu'il va regretter immédiatement puisque avec la force, la détermination de la peur, Rita parvient à s'échapper par la fenêtre. Et cette fois-ci, elle réussit à se rendre jusqu'au commissariat de police le plus proche. Joe Metheny est très confiant. Il est même trop confiant. Le 15 décembre 1996, il appelle un de ses amis et lui dit « Hello, j'ai un corps dont je dois me débarrasser, est-ce que tu veux bien m'aider ?» Son ami rigole, hein. Il dit « Ah !» Un corps dont tu dois te débarrasser? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu te fous de moi? L'ami en question réalise que Joe est bien sérieux. Et donc, il raccroche, les mains tremblantes, et il décide de signaler l'appel à la police. Il faut savoir que Joe ne panique même pas. Il n'est même pas si inquiet que ça. Il est très lucide sur la situation. Il sait ce que son ami va faire. Alors, il met un peu d'ordre dans sa caravane. Il se change, il met des vêtements un peu plus décents. Finalement, quand il entend les sirènes de police, il attrape les clés de sa caravane, les clés du portail, et il se rend dehors pour ouvrir à la police. Il se rend immédiatement. Joe Metheny est immédiatement arrêté et immédiatement inculpé. Pour la police, le nombre de ses victimes n'est pas très clair. Officiellement, Joe a commencé à tuer en 1994, mais il se pourrait bien qu'il ait en réalité commencé à tuer à partir de 1976. En plus de cela, Joe Metheny est un grand conteur, qui n'hésite pas à ajouter des détails sordides à ses histoires, peut-être également à inventer des victimes, certainement dans l'espoir de devenir un tueur en série légendaire et respecté. Par ailleurs, il n'a exprimé aucun remords aux familles de ses victimes, disant qu'il ne pouvait pas se montrer désolé s'il n'était pas réellement désolé. Il a ensuite ajouté qu'il était par ailleurs désolé de ne jamais avoir réussi à attraper son ex-femme et son nouveau compagnon. Officiellement, Joe Metheny a fait entre 5 et 13 victimes. Parmi elles, Katie Ann Magaziner, une travailleuse du sexe de 39 ans, Kimberly Lynn Spicer, une mère célibataire accro à l'héroïne, ou encore Toni Lynn Ingracia, une autre travailleuse du sexe. Joe Metheny est condamné à la peine de mort, une peine qui sera ensuite changée en double condamnation à perpétuité. Il sera retrouvé mort dans sa cellule le 5 août 2017. Alors, pourquoi Joseph Metheny a-t-il commis des actes si horribles? Peut-être un traumatisme lié à la mort de son père? Ou bien sa consommation excessive d'alcool et de drogue? Une chose est certaine, une excuse est toujours une explication. Mais une explication n'est pas toujours une excuse. Finalement, peu importe les raisons de ses crimes, je crois que nous serons tous d'accord pour dire que nous nous portons tous beaucoup mieux sans lui.